Et nous sommes repartis pour plus de Mortal Shell. Il y a une chose aussi que j'étais en train de me dire. C'est un peu embêtant parce que je sais jamais où m'arrêter, où aller, ce qu'on doit faire, etc. Vu que je connais pas le jeu, donc c'est un peu embêtant. Des fois, je pense qu'on pourrait faire plus de choses, mais bon, je sais pas où aller, donc... mais là, ce qu'on va faire, je crois que la dernière fois, on avait... Enfin, on a des choses qu'on n'a pas faites. Genre, par exemple, on avait trouvé la tour. Honnêtement, je sais plus où aller la tour. Mais je voudrais y aller et voir ce qu'il y a un peu. Donc, en gros, on va se balader, je pense. Et on va voir. Ok, c'est bien. Arrête de reculer, t'es chiant. C'est bien. Est-ce qu'on peut cancel les animations? Je suis en train de me demander, tu vois. Ah, on peut pas cancel, hein. Ça aussi, c'est vrai que c'est un problème. On peut pas vraiment... Non, il faut qu'il tape. Une fois que le coup est parti, en fait. Ouais, donc ça, c'est un peu embêtant. C'est vrai que ça aussi, ça aide pas, on va dire. Je suis bloqué par un truc en bois. C'est bien. Alors, on va passer par là. Ouais, on va se balader. De toute façon, maintenant, on est assez puissant, donc on devrait pas trop avoir de problème. À se balader comme ça. Il y a des ennemis là ou pas? Bah, il y a un ennemi par terre. Ok, qui est mort, ça marche. Ok. On va déjà passer par là. Par contre, je sais pas si on est passé par là en fait. Sûrement, si le village était mort. Enfin, le petit camp, là. Et sûrement des objets. Je pense qu'on est passé par là. Ouais. On va faire le tour. On va continuer. Ouh, c'est quoi, ça? Ça, par contre, je connais pas. C'est quoi, ça? C'est des grenouilles? Non, c'est rien du tout. Ok. Ah, on est peut-être au bon endroit. Non, on peut pas y aller. Ah non, c'est d'où on vient, d'où on est sorti, je crois. Hein, c'est ça. C'est pas genre le tout début du jeu. Si, c'est le tout début du jeu où on a trouvé notre première carcasse. Ah, c'est bien, c'est bien. Je sais exactement où on va. Hein. Ça montre que je suis très au courant de où on va. C'est cool. Yo, doucement. Ah, on peut même presque le tuer en un combo. C'est pas mal. Par contre, on tue pas assez d'ennemis rapidement parce qu'on n'arrive pas à avoir un de... Ah merde, c'est pas les trucs empoisonnés ici. On n'arrive pas à avoir un de détermination. Genre à chaque fois on est jamais au max et on la perd. C'est marrant, il n'y a plus personne ici maintenant. Pourtant il y avait des ennemis qui reviennent. Bon, on se balade. On continue. Des mecs à gauche, le grand là. Auré. Est-ce qu'on a une carte? Ce serait bien une carte. Alors je sais que dans les Souls et tout ça, ils aiment pas les cartes, les gens. Mais... Ouais, j'allais dire, il va même mourir du poison en fait.
Voilà, là, c'est bien. Là, on a un cran. Quand on a un cran, il disparaît pas, on est d'accord. Ouais, ouais, quand on a un cran, il disparaît pas, ça va. Je sais pas si on peut augmenter notre détermination. Ah oui, sinon, on avait... Ouais, on avait ça. On va mettre la nouvelle habilité. Très bien. Si j'étais plus, enfin j'ai envie de dire plus doué à la limite, enfin plus confiant surtout pour parer, je le ferais beaucoup plus souvent honnêtement. Mais avec avec ce personnage là, avec cette carcasse, non. Comme j'ai dit, quand on changera et qu'on prendra merde, j'aurais pu le tuer. Solomon, je crois que c'est ça. Waouh, ok, cool. Ça a défoncé. Il nous a défoncé. Ok, cool. Ça nous fait des dégâts, mais bon. C'est, on gagne le... Le régène, quoi. Ça, ouais, ça vaut le coup. Ouais, ça vaut le coup, parce que ça dure super longtemps, en fait, le poison. C'est pratique. C'est super pratique, honnêtement. Cette carcasse, c'est méga pratique. Ah là, du coup, c'est la grotte. Donc là, on va pas y aller. Non, celui-là à droite. À gauche. J'aime beaucoup aussi le déplacement en fait. Le déplacement comme ça, téléportation un peu. Vraiment, enfin, c'est pratique, on va dire. C'est vachement pratique. Et puis on a le poison aussi. Qui est vraiment pratique. Ok, du coup on peut pas continuer de ce côté-là par exemple. On avait un objet, à droite c'est rien. Ok, ça marche. Après... Ce que je regrette, c'est que c'est une forêt tellement dense, en fait, avec les arbres et tout ça, on voit strictement rien. Genre, on peut pas, genre, voir la tour. Vous vous rappelez la tour où on a même, je crois, une carcasse qui y a la... qui a la... la masse. J'ai envie de dire masse ardente, même. Qui se déplace, en fait, vers la tour.
C'est là que je voudrais aller en fait. Ok, d'accord. Ils viennent de me défoncer. On va aller là. Ah oui, il faut que j'attende. Je sais pas si le champignon ça le stoppe pas aussi. Le régène. Parce qu'on a vu que le poison ça faisait plus de dégâts quand on était dans le tunnel. Enfin, dégâts pour moi du coup c'est un régène. Là normalement on avait tué le mini boss. Ouais donc y'a plus rien. Ok. Ah, après c'est le problème hein, avec lui. Hein. Il se prend une bave, bon. On est en mode panique. Hein. On est un peu en mode panique. Mais ouais, c'est quand même beaucoup plus simple avec lui pour le moment. Mais ouais, je pense qu'on augmentera Solomon après plus tard. Enfin, on pourrait même prendre Solomon maintenant, j'ai envie de dire. Mais bon, vu que je voudrais un peu aller dans un nouvel endroit. Par contre, la localisation du son, je sais pas si elle est très très bonne. Parce que des fois, j'ai l'impression d'entendre des gens plus loin qu'ils le sont. Attends, il y a quelque chose qui a tapé? Ah oui, là. Un peu teubé quand même, hein, l'IA. L'IA elle est très 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 bête. Par contre, il y a l'autre à gauche là qui me fait un peu chier. Bien. On se fait les deux. Non, mon Dieu. Aïe 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 aïe. Saloperie. Il a fait deux fois son coup piqué là. Il y a une chose aussi, c'est que là, il trottine. Mais quand on cible quelqu'un, il arrête, il marche en fait. Ça aussi, je trouve que c'est embêtant en fait.
Parce qu'on est plus ou moins obligé de vraiment esquiver pour esquiver une attaque, vous voyez ce que je veux dire? Genre on peut pas esquiver par tout simplement se déplacer sur le côté parce que en fait il est beaucoup plus lent que si on ciblait pas. On a du monde. Bien joué, bien joué. J'ai envie de... Putain, ouais, mais on n'a pas de... Bon, on va se régène. Mais ça remet pas de vie par contre, je crois. Ouais, d'accord. Bien. Je crois que ça remet pas de vie, donc à la limite, ouais. Enfin, ça dépend si on veut le faire pour l'attaque ou si on veut le faire pour... enfin, pour les dégâts ou alors pour récupérer de la vie. Notre contre. Après je crois qu'on a débloqué, je sais même plus si on a débloqué ça, genre le fait de si jamais on tue beaucoup d'ennemis, on récupère une vie. Je crois qu'on l'a, si. Frapper un ennemi empoisonné, non c'est pas ça, c'est ça. Regagne une dernière chance en tuant assez d'ennemis, c'est ça. Je sais pas par combien ça se traduit. Pour l'instant on l'a toujours pas. Faut y marcher sur... Waouh, les dégâts. Les dégâts, s'il te plaît. Oh, waouh. Non. Mon Dieu. Ah, tiens, on a récupéré une vie. Je crois. Lol. Lol, lol, lol. C'est vrai que la dernière fois, on était mort ici. Cool. La dernière fois, on était mort. J'avais complètement oublié ça. Mais... Putain, mais c'est un endroit de merde quoi. Par contre c'est un truc qu'on il devrait pas se reset les pièges, honnêtement, j'ai envie de dire. Genre il devrait se reset seulement quand on reste avec la femme là. J'ai envie de dire. Parce que... Ouais non c'est relou quoi. Vas-y touche-moi. Merci. On a une autre là, on va la laisser en vie. Ouais, bon bah c'est fun, mais... Ah oui, là, non, c'est le camp. Ça sert un peu à rien de le faire. On l'a déjà fait. Ah, y'a pas un trou quelque part?
Esquiver au bon moment. Ah, il y a juste un coffre en fait. Je pensais qu'il y avait un tunnel. En fait, non, c'est juste un coffre. De qualité supérieure. Ça peut dropper des bons trucs en fait. On peut s'empoisonner avec... Ouais, on peut pas s'empoisonner avec le nuage en fait. Là, échappée belle, et il y en a un autre. Bien, coffre. Je n'étais pas allé. Ok, arrose, grenouille, bouillie, tout ça, tout ça. Du coup, on a vraiment des objets de soin là. Ah non, ça consomme de la détermination aussi. Ça, c'est toute votre détermination. Ok. Augmente la vitesse de réaction d'endurance pendant 3 minutes. Ça aussi, ça peut être pas mal. Ah oui, il y a la cloche aussi que je pourrais utiliser. Ça augmente le goudron, non? Qu'on récupère. Sonner la cloche octroie un gain de détermination. D'accord, okay. C'est pas... Ok, la grise, celle en argent, c'est le goudron, le rouge, la dorée, non. Putain, j'ai les mots, quoi, les mots. 3 minutes, d'accord, ça marche. Bonjour. Tu veux m'attaquer, ou... Ah. You got some nerve showing your face. Or what's left of it around here. I don't have any tar. So don't even think about it. I'm out. Okay. Get on then. I smell a rat. I mean, on your person. If it's not too much trouble, can I have a bite? Un bout? Ouais. Cheers. You're less of an arsehole than you look. I gotta say, ah. I love the way their little bones crunch. But I always end up with little fur stuck between my teeth. On s'est fait un ami. Is that? It can't be. Oh, the finest moonshine I've ever seen. May I have a sip? Oh mon dieu. Ouais. Oh, this. Oh, brings a tear to my eye. J'espère qu'il va nous donner quelque chose. You're a saint.
Drop by any time, brother. Ok. You're welcome to join me, you know. Living the brigand life. Drinking moonshine, snacking on rats. What's the use in trying so hard anyway? What does any of it matter? Let's enjoy our short lives. What do you say? Best friends forever? Ça marche. Come on then. Take a seat and have a drink. We can watch life pass on by. Ça y est, on a fini le jeu. On s'est fait un ami, on a fini le jeu. Bah c'était bien. Un peu court quand même. Mais c'est vraiment une fin en plus. Sans déconner. Bah du coup on arrête. Qu'est-ce qu'on fait? C'est fini? Alors si on ferme. Genre est-ce qu'on gagne quelque chose ou c'est juste un peu une sorte de easter egg? Il y a un chargement et tout quoi, qu'est-ce qui se passe? D'accord, on est là, on est de retour là. Du coup, on a gagné quoi? Don't overindulge. On a rien gagné en fait. C'était juste pour comme ça, pour le kiff. C'est bien. Ah là 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 là, endurcis-vous dans les airs. Ouais, non, ça, la zone de dégâts, je vais sûrement pas jamais le faire. Sprinter ne consomme pas d'endurance. Sprinter ne consomme pas d'endurance. Ouais, honnêtement, oui, ça peut être utile vu que je sprint beaucoup pour attaquer. C'était quoi? C'était 15. Yes. 20. Pupil slid the ritual knife into his wrist. He scraped flesh from bone, flaying himself. A low moan escaped his lips, as anguish and pleasure intermingled freely. The sages accepted this offering, tossing his bloody gift into the flames. It was madness, yes, but his sacrifice was beautiful. Only the revered could inspire a man to self-inflict such suffering. Cool. Cool, cool, cool. Ouais, par là-bas, allez. Alors du coup, est-ce qu'on devrait pas... On devrait pas changer... de carcasse. Ok, super.
Ah, on va changer un peu. On va changer un peu. Parce que celle-là, elle est à fond. On va dire quand on aura des problèmes, ou alors si on veut qu'on aura une nouvelle arme. On reprendra celle-là. Mais là, on va rester avec... on va se changer. Ouais, Solomon. Alors, Solomon, l'érudit. Alors, lui, il a beaucoup de vie. Il a beaucoup de vie. Il a un peu plus de vie que lui. Et il a la même endurance, par contre. Là, on a 4 de détermination. Et lui, Solomon, il a combien? 5. D'accord, ok. Donc lui, c'est plus un... J'ai envie de dire un mêlée tank bourrin, quoi. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut récupérer avec lui? Durabilité, endurance, détermination. Ouais, détermination, elle est... Oh putain, c'est pas les bonnes touches. Aptitude, allez! Putain, ce menu qui marche au ralenti. 25 de santé max supplémentaire en portant une glande sacrée et un segment de détermination max en ne portant pas de glande. Ah, genre, lui, on aurait pu prendre lui et quand on avait la glande sacrée sur nous, on aurait eu plus de vie. Ouais, il peut récupérer là. Ouais, j'ai l'impression qu'il peut être vraiment dévastateur, lui. Ça marche. Est-ce qu'on a des objets pour se donner des choses? Ouais, on peut. Par contre, on n'a pas de lueur. On a que ça. Ça doit peut-être nous donner genre 20 de lueur, un truc comme ça, peut-être plus. Ah, on a ça aussi. On pourrait... On va déjà avancer normalement, je pense. Genre, sans... Comme ça, genre, sans prendre des capacités. Puis après, quand on fera le tour, on aura récupéré des capacités. L'endurance, comme elle met un temps fou à remonter, quoi. Okay, cool. Oh, il prend quasiment pas de dégâts, par contre. Ouais, ça peut m'intéresser, son style de combat. La détermination augmente très vite. Ouais, ça peut être intéressant, mais il faut qu'on l'augmente, honnêtement. Faut vraiment qu'on l'augmente. Genre, on peut genre faire de gros dégâts et en même temps se régénérer. Je pense assez facilement. Et sans trop prendre de dégâts, nous-mêmes. Ok. Du coup, faudrait qu'on augmente le régène de l'épée. Ah, j'ai envie d'utiliser des... Ouais, j'ai envie de l'augmenter, en fait, la carcasse. Ouais, j'ai envie de l'augmenter. Après, on a l'autre épée aussi. Est-ce que ça vaut le coup de... fais voir. Lame du martyr. On va mettre là. Et l'autre, c'est... Nous, c'est quoi? Ah oui.
oui, ça c'est pour revenir. On n'avait pas un objet pour... Ah, c'est ça. Ok. Alors, on peut le faire comme ça. Ouais, on peut faire ça. On peut faire ça. Ah oui, mais non, on peut pas augmenter l'arme ici. Merde. Là-haut, peut-être. Non. Là. Si, ça. Yes. Le saut de terre, les effets de soins de riposte automatique. Et si on change d'arme? On peut faire du verre hivernal rare pouvant être appliqué sur la lame. Ah, ok, ça c'est que pour elle. Verre hivernal radieux pétrifié. Et pour l'autre, c'est quoi? C'est un peu con ce système de changement d'arme, honnêtement. Je le trouve vraiment débile. Ça c'est point de fondu. Fondu, d'accord. Donc on peut faire ça. Là, ah mais en fait c'est pour tout le monde ça, ok ça marche. Ouais, parce que je me suis dit c'est les sauts en fait, donc les sauts ça marche pour tout le monde. Et là on peut faire quoi? Ça fait quoi en fait ça? Amélioration pour l'âme. Ok. Donc ça c'est que pour cette arme là, donc au final on peut juste tout simplement l'augmenter quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est que pour ça, autant le faire. Vous prenez assez de détermination en attaquant les ennemis pour activer une puissante capacité d'arme. Ok, donc ça c'est le, ouais, le truc de glace quoi, ça marche. Ok, cool, on va prendre ça. Attaque des ennemis pour activer une puissante capacité. Ok, donc là j'ai deux habilités pour le avec les mêmes touches, c'est ça? Ou j'ai mal lu, ou je suis teubé. Et merde, toujours pas les bonnes touches. Comment on voit? Comment on voit les attaques avec les armes? J'en sais rien, c'est pas grave. Alors après, qu'est-ce qu'on fait? On peut augmenter la force de celle-là ou la force de l'autre. On a combien d'acide? Ah, c'est honnêtement, le menu, c'est une catastrophe. Le menu, ils savent pas faire les menus. C'est pas pratique du tout. C'est vraiment pas pratique. Objet clé, donc j'ai deux acides. Ça marche. Genre ça pour cette arme-là. Ça prend combien d'acide? Appliquer acide trempé, moins 2. Donc ça en prend 2, c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 et 1? On va faire 1 et 1. J'ai envie de tester un peu cette arme. Je veux voir si c'est vraiment... ça me prenait 2. Ouais non, ça en prend pas 2 en fait. C'est juste le niveau 2, c'est bien ce que je pensais. Ok, ça marche. Voilà. Ok, on va tester ça. Ok, d'accord. Ok, super.
Ah mon dieu! On a fait valdinguer l'autre sans le toucher. C'est pas mal, je pense. Tu tapes beaucoup plus vite. La lame qui se casse. C'est marrant. Ok, là on commence à avoir des trucs sympas. Voilà. Putain, mais... Oh, réagis, Solomon, quoi. Ah, je voulais... Voilà. Allez ! Ça a pas marché. La blague. Saloperie de terrain, quoi. Cool. Ouais. Bon ben, c'est pas... Hein. C'est sympa, mais... Faut timer... Enfin, je sais pas. Des fois, j'y arrive très bien. Plus... Genre plusieurs fois d'affilée. Des fois, laisse tomber, quoi. Ah, c'est casse-couille. C'est quand même bien casse-couille de jouer en riposte, en fait. Plus d'endurance. Ah, là aussi on perd de la détermination. J'avais pas vu. En fait, on perd tout le temps de la détermination si on gagne pas un cran. Donc en gros, on est toujours pressé par le temps, quoi. Oh la vache.
J'ai envie de tester sur les gros. Par contre, on a deux attaques avec cette arme. C'est bien ce que ça disait, non? On a débloqué deux attaques. C'est peut-être R2, L2 en fait. J'ai pas d'endurance quoi. C'est quand même la merde. Quand même bien la merde de jouer sans endurance. Je sais pas trop quoi utiliser comme attaque avec cette grande arme en fait. Pour les petits, ouais, le gros coup. Ah, la tour est là. Le gros coup, ça les fait tomber. Mais après... Après, il faut peut-être plus de détermination pour l'autre attaque. Il y avait pas un gros là? Ouais, normalement, voilà. Okay. Merci de les faire apparaître. Après... L'endurance quoi, elle met du temps en plus à redémarrer, c'est abusé quoi. Ah, je peux les tuer en un combo avec cette arme, ça va. Il me faut un truc un peu plus agile là par contre. Tu vas me faire chier, toi. Grand carreau. Genre, c'est une nouvelle arme encore ? On va rien dire, hein. C'était limite limite. Alors du coup comment on y va? Je suis débile ou... Ah là. Donc on est à la recherche de d'une carcasse qui est passée par ici. Qui a sûrement une arme aussi.
Là, je regrette de pas avoir notre autre carcasse, parce que celle-là, elle est pas augmentée du tout. Donc, bon. D'abord, on va faire le tour. J'ai vu qu'il y avait un mec sur le chemin tout droit, là. Une sorte de grand chevalier. Après, on a de la détermination, donc on va peut-être spammer ça. Putain, ils sont bizarres ces escaliers. Ok. Bon, t'es pas friendly, quoi. Ça va, c'est bien. C'est pas du tout ça que je voulais faire, c'est pas grave. Ah, c'est comme ça qu'on peut le geler aussi. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié. Ouais, non, j'ai pas l'habitude en fait avec cette arme. Hein. C'est... Faut que je m'habitue. Ça, on aurait pu le geler. Je suis en train de me dire, si on se jette là, on peut avoir accès à des secrets ou pas. Ok, progression. Au bout d'une heure. Narthex éternel. The entrance is not far, foundling. But you may regret trespassing. I speak not only of my brothers and sisters, but of their twins. Just as every flame casts a shadow, so too does the spirit. And here they manifest. Reflections, birthed from a broken mirror, a shattered place. Best not to burden yourself with such thoughts. Okay. Merci. Alors, une chance de se soigner lorsqu'il utilise une capacité d'arme pour tuer un ennemi. Ouais, ça c'est bien. Ou alors, gagne un segment de détermination en parlant à un PNJ. Oh, du coup. You warned me not to go. As if you knew what I would find among the multitudes. But if that were true, why bother with such a useless gesture? Is it our nature to bemoan the unchanging course of fate? Alors, on a encore 1300. Je pense qu'on va utiliser des objets et on va l'augmenter un peu. Je vais voir. 4. Je voudrais ça aussi. 80, c'est nul. Sip this and you'll see. Ah, il a gagné une détermination. Alors, durée pendant laquelle les ennemis sont endurcis quand vous êtes séparés de Solomon est augmentée. Non. Solomon se familiarise plus rapidement avec les objets, gagne lueur en lisant des connaissances pour la première fois. Ça peut être intéressant, ça. Petite quantité de détermination qui est frappée sous forme endurcie. Alors, on va prendre ça d'abord. Ça nous permet de gagner de la lueur en plus facilement. How could this be a story? Of a man with my name. He bears the same scars, shares in the same desires, even finds the same tablet. Can it be called history
if it's written by a being that sees the future as readily as the past? Wow, ok, t'es pas un bourrin en fait, t'es un mec qui est tourmenté par des casse-têtes. Du coup, là, le coup de pied, ça pourrait être vachement intéressant pour lui, parce qu'il récupère énormément de détermination facilement. On va prendre ça. Though you hide behind that mask, I know you far better than I ever knew him. You've shown me a second path. Do you hear that? Hope is a funny thing you've kindled in me. A little yarn we spin, but perhaps it may yet come true. Qu'est-ce qui nous reste? Ça, c'est 1100. J'ai plus de détermination. Ah si. Ouais, non mais j'en ai plus. Ouais. Après on a des objets genre ça, on l'a jamais fait. On va voir. Ça nous donne de la lueur aussi, je pense. Non? Votre prochaine attaque cause plus de dégâts. Ok. Ah non, on va avoir un combat. Oh merde. Bah c'est bien, c'est original, la deuxième fois. Alors, qu'est-ce qu'on va combattre cette fois? Ah, il a les armes que je veux. Plus j'ai zéro endurance, ça augmente pas, c'est bien. Waouh, ok. J'arrive pas à le taper, j'arrive pas. No. Tain. Il est pas très dur hein, parce qu'en fait on est quand même assez overpower. Mais l'endurance quoi. Et ce jeu a pas de système de poise comme Dark Souls. Non, ça va. Il a pas de système de poise en fait comme Dark Souls, genre d'équilibre.
Du coup, on se fait... Bon, après, on prend pas beaucoup de dégâts, mais on fait quand même, on se fait quand même stun et tout ça. Donc c'est un peu la merde. Bon, là, on a tanké comme un porc. Hein. Là, c'était... Là, c'était... c'était limite zéro skill, j'ai envie de dire. C'est juste on tapait. Mais bon, je pense que c'est un peu la carcasse qui veut ça aussi. Bah, du coup, on a cette arme maintenant. Ouais, donc c'est ça là, le truc de... comment ça, de voleur là. Ah, ils ont une démarche débile quand... Des fois. J'ai envie de dire, on peut tester avec cette arme. Est-ce qu'on a un objet pour l'invoquer, cette arme? Je pense pas. Non, ça fait quoi ça? Réussir un plage de détermination, ça marche. Je sais pas, on peut la tester un peu, ouais. Ouais, non mais on va se remettre de la vie. Sip this. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? 1000. Faudrait 1000. Non. Ouais, on va tester, on va voir les dégâts que ça fait, mais bon, c'est un peu tard en fait de récupérer ça. Qu'est-ce qu'il y a? On doit te défoncer, c'est ça? Bon. Ah bah voilà. Le truc, il était mort, quoi. Casse-toi. Le truc, il était mort. Débile. Oh mon dieu. Ça a l'air méga grand. Oh, il y a des lights. Ah, il nous faut l'autre carcasse quoi pour qu'on se déplace vite. Sérieux. C'est quoi ça? Des portails? Des nouveaux ennemis. Des femmes. Je vais essayer de le parer, mais ça va mal finir. Bien chiant toi. Je sens qu'on va... On va utiliser ça. On va y aller comme un bourrin. Ok. Alors peut-être pas comme ça.
Ouh, tire plusieurs fois. Ça va pas être très très original notre gameplay, j'ai envie de dire. Ouais, je le sens bien là. Je sens que... je sens que ça va pas être très très original. Ah, fait chier. Très bien. Un peu la merde, mais... C'est pas très beau, honnêtement. Passer un meilleur temps dans la forêt, j'ai envie de dire. Ah bah du coup on a fait le tour en fait. D'accord. Ouais, j'ai envie de dire qu'on passe un meilleur moment dans la forêt, là c'est bof. Bon bah j'imagine qu'on peut pas monter. À droite, on peut pas y aller. Au fond, il y a un objet. Les zones grandes, j'ai envie de dire. Les zones grandes, c'est sympa. Parce qu'on est là, waouh, c'est stylé et tout ça. Bon, là, c'est pas trop stylé. Enfin, je trouve pas ça énorme. Mais le problème, c'est que là, c'est méga grand. Et dans le jeu... L'endurance, c'est la merde. Il n'y a qu'une seule carcasse qui est bon avec l'endurance et du coup, il faudrait l'utiliser, en fait. C'est tout. Là, là, c'est chiant. Là, j'ai envie de dire, c'est un peu chiant, quoi. Ouais. Bon, bah, du coup, moi, je fais quoi? On a loupé un truc là-bas, sûrement. On retourne. Par contre, j'espère pas que les ennemis réapparaissent. Enfin, ça m'étonnerait parce que là, on n'a pas, on reste pas quoi. Après, on a des effigies, mais bon, j'ai pas envie d'utiliser des effigies pour ça. Enfin, on en a pas beaucoup. C'est pas comme si on pouvait en acheter. Ah, peut-être qu'on peut en acheter. Je sais pas. Là. Je sais pas. Ouais. Objet. Ah ! Non, on n'aurait pas pu descendre en fait. Oh, ouais, d'accord, super. L'ennemi qui apparaît, j'aime bien ça aussi. C'est bon, t'as fini? Des esprits là-bas. Ah, on aurait pu descendre. Ah, ok.
Je crois que j'avais pas vu en fait qu'on y avait une descente. Là, y a rien. Ça a l'air un peu les mêmes esprits qu'on avait rencontrés dans la grotte. Ceux qui faisaient de la glace. Donc on va leur foncer dessus et les défoncer rapidement. Pêche. Bien joué. On a plusieurs sur la gueule maintenant, c'est bien. Mais bon. Regarde s'il n'y a pas des objets qui traînent. Comme ça, par exemple. Ah, putain! Quelle merde! Ah, putain, les trucs qui sont apparus après, quoi. Oh là là, c'est débile. Non, ça, honnêtement, moi, c'est pas, genre, c'est pas une mécanique de jeu. Hein. C'est juste le jeu qui veut pas charger les ennemis. Hein. C'est juste ça. Hein. I've kept your flesh safe. C'est juste ça, hein. C'est le jeu qui veut pas charger les ennemis, hein. Il refuse. Hein. Putain. Ah, c'est complètement con. Hein. Ah, et en plus, t'as lui à chaque fois, quoi. C'est trop bien. On va devoir se taper lui tout le temps. L'objet. Enfin la lueur. Alors du coup faut se retaper tout le chemin pour aller sur le côté, c'est ça? Par là. Ouais, pas. Ouais non, je suis pas. Honnêtement, je suis pas fan du jeu, je le trouve pas méga bien. Je comprends pourquoi que. On va dire que... Au bout de 2 semaines, il n'y avait plus personne dessus. Il m'a tué, quoi. Ah, j'ai même pas eu le temps de... Putain de merde, quoi. Oh, la vache. I've kept your flesh safe, Belling. C'est con, parce que j'ai pas envie de rechanger pour l'autre, en fait. Pour l'autre carcasse. Waouh, trop bien. Il m'a loupé, quoi.
Oh la vache. Oh mon dieu. Tout va bien. On est reparti. Bouge. Ouais, non mais ouais, je peux rien faire en fait. Trop bien. On va rester avec ça pour le moment, avec cette arme. Du coup, on descend par là ou on peut pas descendre par autre part? Parce que moi, je descends... Ah non, si, comme ça. Ouais. J'ai même l'impression qu'on n'est pas censé faire ça, honnêtement. Tellement que c'est étrange, en fait. Bien vu là. C'est ça en fait qu'il faudrait. Il faudrait jouer avec Solomon comme ça en fait, tout le temps. Genre taper, bien mêler, puis parer en fait directement au lieu de. Au lieu de faire quoi que ce soit. Putain, le fait qu'il se mette à marcher, qu'est-ce que c'est chiant. Ouais! Trop bien, pourquoi il y en a deux? Le son qui bug. Merde. Oh putain, j'ai merdé. J'ai utilisé les deux points de détermination qu'on avait pour rien, c'est bien. Waouh, trop bien. Je vois strictement rien, c'est cool. GG caméra. GG la caméra. I've kept your flesh safe, darling. Ce qui est con, c'est qu'on peut pas l'augmenter, ça fait chier. Ouais, Solomon c'est marrant, mais honnêtement...
Putain, ça fait chier. Y'a pas les cadavres ici? J'ai envie de reprendre Thiel en fait. On est beaucoup plus... On va dire que Solomon est extrêmement puissant, mais si ça se passe mal, c'est la merde. C'est genre la mort quoi. Alors que avec Thiel, c'est quand même beaucoup plus safe. Ah, ça met automatiquement le poison. Wow, cool. On va mourir. Ouais, mais non. Sip this. Ouais, non mais Thiel, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire Thiel, honnêtement. Parce qu'après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir un truc qui nous aide? Segment détermination max en portant pas de glande. La durée pendant laquelle les émissions est toujours dit. Alors après, peut-être que je joue mal aussi. Hein. Restreur va déterminer en tuant un ennemi avec une riposte automatique. Au moins, obtient une petite quantité de détermination et après en sous forme endurcie. Ça peut être pas mal aussi. Genre, est-ce que j'arriverai à apprendre à contrer lui, là, par exemple? Ok, d'accord. Ok, bien joué. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Ouais, bof. On a déjà perdu notre vie, donc c'est bien. Pas convaincu. Je suis pas convaincu. On va passer par là. Là on était tout à droite, maintenant on est tout à gauche. Ok, ok. J'ai pris ? Non, j'ai pas pris. On va aller où il y a des objets, parce que c'est tellement grand, j'ai pas vraiment envie de me balader, honnêtement. Si jamais j'ai encore des problèmes, après je vais faire une pause, honnêtement. Si jamais ça se passe mal. Mais si on a encore des problèmes, on prendra Thiel. Le problème, c'est l'arme qu'on a, là. Elle est bien, mais elle est pas augmentée. La nouvelle, la rapide. Donc je voudrais bien l'utiliser. Parce qu'elle est vraiment pratique en fait. Oh putain, j'ai plus d'endurance. Oh.
J'aimerais vraiment l'utiliser, mais il faudrait qu'on puisse l'augmenter. Genre, au moins plus 1, quoi. Ça va être la merde, là. J'aime bien le fait qu'il me loupe. Quelle merde. Quelle merde. Qu'il avait plus de vie, quoi. Encensoir parfumé. On va crever, quoi. Non, on va crever, en fait. Encensoir parfumé, c'est pas ce qu'il nous faut pour la nouvelle arme du coup. Pour augmenter la nouvelle arme. Je crois. What? Ah oui, c'est vrai que ça disparaît les ennemis, lol. Je voulais récupérer de la vie en parant, mais bon, bah laisse tomber. Ouais, je sais pas. Ça sert à quoi de se soigner, j'ai envie de dire, si on a perdu tellement de vie. Maxed. Ça avance. Acide de trempe, c'est ce qu'il nous faut. Mais bon, on pourrait augmenter notre arme. Notre épée, en fait. Donc là, en fait, on arrive au moment où on doit choisir. Où on reste concentré sur notre épée, qui honnêtement elle fait tout en fait. Elle est moyennement rapide, mais elle fait des bons dégâts et tout ça, elle est déjà plus 2. Ou alors on augmente la nouvelle. Oh putain de merde, il m'a fait peur ce con. D'accord, 3, d'accord, ok, ça marche. Oui bah alors là, ça va quoi. Le jumpscare des monstres, quoi. Comment? Attends, on va crever. On va crever là.
Putain, on récupère pas de vie. Normalement, j'ai une chance de récupérer de la vie hein, quand je fais un kill comme ça, mais apparemment... Pris de beaucoup d'armure, ceux qui sont familiers avec ce fait de manger les ordures nécessaire moins de détermination pour tolérer l'objet putain. Ça remet que dalle, quoi. Consomme de la détermination, 10 points de santé supplémentaires pour ceux qui sont familiarisés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est... Ouais, ok, grenouille bouillie. C'est quoi ce bruit? Ah, mais la grenouille, c'est... C'est l'endurance. Si tu bouges pas, je te finis. What? Il y a le lock qui a disparu. Bizarre ces arbres. Après, j'ai envie de dire que dans... Allez, si on compare ça à Dark Souls, on a toujours un sentiment d'avancer. Là, je sais pas, en fait. Les zones, elles sont grandes, elles sont méga grandes, en fait. Je trouve peut-être un peu trop grandes. Je suis pas fan d'avoir des directives, hein. Je préfère être livré à moi-même, mais... Là, j'avoue que... C'est un peu compliqué. Ouais, non, puis les zones aussi grandes, c'est relou. On va sûrement avoir un objet là-bas. Ah, putain! Va te faire mettre, quoi. Quoi? Pourquoi t'as fait une roulade sur le côté, débile? J'ai jamais dit ça? Ah, putain... Oh. Vous voyez le problème dans les jeux avec une difficulté élevée, genre comme par exemple ce type de jeu là, c'est que si le gameplay est pas parfait, genre si vous avez pas le contrôle parfait sur votre personnage, ça devient une horreur de jouer. Et là honnêtement c'est pas fun. Enfin ça va, j'en suis pas encore au point où ça va me rendre fou, mais... Il y a plein de petites choses qui auraient dû être complètement améliorées. Complètement. Parce que là... Genre le fait que les ennemis apparaissent à une certaine distance... Non,
Donc en fait, je suis pas censé sprinter, c'est ça? Je suis censé marcher. Alors les esprits, alors je veux bien, peut-être que c'est fait exprès, mais après on a vu les autres ennemis, c'était pareil. Donc du coup... Voilà. Rien derrière moi. C'est quoi ça? La récompense de la loyauté, l'esclavage, ainsi le ressuscité ne demande aucun engagement. Ils sont venus ici en quête de réponse, comme vous à votre tour, mais vous ne trouverez que le silence et la fureur. Jetez-vous dans l'abîme, laissez-vous saisir et remodeler par le néant. Vous serez ressuscité, un enfant de la multitude, une sœur ou un frère. Super. Ça m'aide pas du tout. Bon, du coup, on a fait ça. Bon, j'imagine qu'il faut faire pareil sur le côté droit. On a sûrement un truc un peu similaire. Ah, genre là, juste 3 devant, par exemple. Ouais, allez, on y va. Oh, il y a un objet à gauche. Sac de goudron. Non, c'est pour ça que quand les jeux sont difficiles, ou alors quand on joue en difficulté élevée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, non, mais le jeu, il est bien et tout ça. » Ouais, mais tu joues pas en difficulté élevée. Genre, quand tu commences à te prendre une tape dans la bouche et que ça t'enlève la moitié de ta vie, t'as envie que le gameplay, en fait, soit extrêmement précis. Et surtout que t'aies full contrôle, en fait, sur ton personnage. Pas que, des fois, il fasse n'importe quoi. Et c'est là qu'on voit si le gameplay est vraiment bien ou pas. Genre là, j'ai pu lui faire des dégâts alors qu'il était dans le sol, je sais pas si c'est normal. Alors on prend le téléporteur ou on va là? Attends, si on va là, on peut pas revenir. On va prendre le téléporteur. Ce qui est bête, c'est que là, on récupère pas de vie en fait. Enfin, on est déjà mort une fois, donc du coup, si on recrève, c'est la fin quoi. De retour. Ouais, donc ça on l'a fait. Donc il en reste deux apparemment, je pense. Celui-là au centre. Sûrement celui-là à droite. Enfin, si c'est l'inverse, du coup il doit être à gauche. Si on vient de cet endroit. Ouais, nous on vient d'en face. Ouais, on vient d'en face. Donc c'est sûrement là-bas, à gauche. Ça va, on commence à comprendre les mécaniques ici. J'ai peur de sprinter parce que j'ai peur de me taper un monstre en fait qui apparaît dans mon cul. Genre là, par exemple. Ok, bien, bien. On en a 3. J'ai pas d'endurance, c'est bien. Y a pas un objet de l'autre côté à prendre? Oh putain. Attends. Genre... Ah non, il était là. Ah oui, mais c'est bon, il l'a.
Parce que la grosse difficulté de Mortal Shell, surtout, c'est le fait qu'on ait un nombre d'armes extrêmement limité. Oh, on peut pas monter. Et les gameplays des carcasses aussi extrêmement limités. C'est pas comme un Dark Souls où on peut faire un peu ce qu'on veut. Donc du coup, ouais, faites bien le gameplay, quoi. Attends. Non, celui-là, on l'a fait. Non, nous, on doit aller... Ouais, non, on doit aller à gauche. C'est là. Enfin, je crois. J'essaye de voir si on peut pas voir le flambeau là abaissé. Et en plus, si on était avec Thiel, on pourrait récupérer une vie supplémentaire au bout d'un moment, au bout d'avoir tué un nombre. Ah non, c'est vrai, c'est blanc, on l'a fait. Un bon nombre d'ennemis. Ouais, donc c'est de l'autre côté, j'ai merdé. Donc ça, ce serait vraiment cool. Là, mais là, avec Solomon, c'est un peu pourri. Non, non, merde. Là, par contre, c'est marrant parce que là, il fait pas de roulade hein, sur les côtés pour esquiver hein, quand il est à terre. Hein. Mais tout à l'heure, quand il était sur le pont qui est méga étroit, t'inquiète pas que là, il les a fait les roulades. Hein. Putain de merde, quoi. Quand il était à terre, là, quand il est allongé. Oh, la vache, ça m'énerve. Je crois qu'on en avait 2000 ou 3000 en plus. Ah, et sans avoir parfumé, ah, c'est bien ça. Et après, fétide. Okay. Alors, ça. Quand même débloquer quoi? L'attaque, je crois. Alors. Ouais, c'est ce qu'il nous faisait. Genre, il balance plein de couteaux. Ouais, c'est cool. Alors, faisons ça. Alors je me demande, est-ce que on peut jouer Solomon avec ça? Est-ce que ça vaut le coup? On va voir. Bon après je ferai une pause plus tard. Ça m'exaspère. Je vais voir si ça vaut le coup de jouer Solomon avec cette arme là. Sinon on change. Enfin sinon je sais pas. Je leur fais voir les dégâts. J'ai envie de dire, si on peut spammer de la détermination avec une arme rapide, parce que déjà, l'arme rapide, ça enlève le problème de pas avoir d'endurance, en fait. Thank you.
Ouais, si on peut, je sais pas. Ça peut être intéressant de jouer comme ça en fait, Solomon avec avec ça, on va voir. Il y a un objet, on voit un objet là aussi. On va rester sur la partie droite cette fois. Je sais plus. On va voir. Ah. Pour l'instant, on la garde l'arme parce qu'on peut pas la réinvoquer. Je crois pas qu'on ait d'objets en fait, pour le moment. Dégâts. Là on est mort là. Bien joué. Bah. Oh putain, ça va me rendre fou quoi. Ça me rend fou, j'ai appuyé sur la touche pour récupérer. Bref, alors on va faire autre chose. On va faire... Vu que Solomon, ça passe pas, et honnêtement, c'est pas compliqué, et ça me rend fou. C'est pas du tout compliqué. Donc on va prendre... On va prendre Thiel. Ça me fait chier, mais... Don't overindulge. Après, je crois que tout le monde peut l'apprendre, le fait de récupérer... Genre une vie, on est d'accord, c'est un des trois... C'est un truc du bas, là. Regagne... Oui, oui, tout le monde peut l'avoir. Ok. Donc on peut l'avoir avec Solomon aussi. Mais bon, on n'arrive pas à avancer. On n'a rien vu.
On n'a rien vu. Faut que je me réhabitue à jouer avec Solomon. Par contre, faut que je fasse une pause après. Ça fait 2 heures et ça commence à m'énerver. Si on fait in out en fait, genre on rentre, on tape, on sort, on rentre, on tape, on sort, on fait que ça en fait. C'est pas mal hein, c'est avec notre endurance qui remonte extrêmement vite aussi. C'est bon? Mon tour. Ah par contre notre endurance remonte pas. Genre ça la bloque en fait. Quand on sprint. Genre on n'en perd pas mais ça la bloque. Donc, intéressant. J'ai envie d'avancer un peu. Hein. Là, ça commence à me saouler. Enfin, c'est pas que ça me saoule, c'est que... Oh, là, je le sens gros comme une maison, le guet-apens. C'est pas que ça me saoule, mais faut qu'on avance un peu, parce que là... Ça fait au moins 1 heure qu'on est là. Puis maintenant, on a Thiel, donc on peut sprinter à l'infini. Autant en profiter. Putain de merde! Il m'a fait sursauter le truc. Ils sont trop débiles ces monstres en fait. Genre ils apparaissent dans ta gueule quoi. Ah je le vois le truc. Qu'il faut activer. À gauche. Pas un objet récupéré ici. Du coup, ça doit être là. Ok, on y est. Je vois rien. Tape. D'accord, bon. T'as décidé de cibler un mec qui était complètement assis. Genre, pourquoi pas, quoi. Now. Le mec était assis, qui avait rien demandé, t'as décidé de le cibler, bon, on l'a tué, hein, mais bon. Genre, pourquoi? Oh. Est-ce qu'on peut... Oh mon dieu.
Cloche dorée. Dorée, c'est pour quoi déjà? J'ai oublié. C'est 3 minutes, je crois bien. Bah, c'est écrit de toute façon, parce que vu que je l'ai déjà utilisé, je suis qu'à lire. J'ai vu qu'il y avait un objet à droite. Je regarde s'il y a un objet là. Non. Ça serait bien qu'on puisse s'empoisonner, putain, y a pas... Genre, on peut pas se taper avec notre propre arme, parce qu'elle l'empoisonne. Même l'attaque qui est une AOE, elle est vachement pratique, en fait. Honnêtement, pour moi, ça m'avait pas touché, mais c'est pas grave. Je vois pas où je me... Où je fais une roulade, c'est pas marrant. Quoi ? Tout ça me touche, j'étais bien en escalade. Pas grave. Aïe aïe aïe, des fois hein. Des fois ça veut pas. Ah ok, on a fait les trois du coup. J'allais dire, je me soigne pas parce que... On peut faire ça. Quoi ? Sérieux, j'avais plus le... Oh mon dieu, j'avais plus l'endurcissement. Oh, fait chier. Ça me gave, ça me gave. I've kept your flesh safe, Bounding. Bon, du coup on a fait les trois. Faudrait aller récupérer nos âmes, quoi. Nos tissus. Enfin, notre goudron. Ce serait bien. Ah, tiens, il n'y a plus le gros. Il va sûrement apparaître. Voilà. Oh, bah alors. Je vais voir si on peut aller récupérer nos âmes quand même. On en avait 2000, je crois. Je sais plus si on en avait beaucoup. Je crois qu'on avait 1700 plus. Donc je voudrais bien quand même aller les prendre. Je crois qu'on va faire sprinter. On va faire que sprinter.
est à droite. Honnêtement, c'est le meilleur personnage pour tracer. Je crois que c'était par là. Mais je m'en rappelle plus déjà. Si, c'est là. À la limite, on pourrait farmer, tiens, comme ça, je suis en train de me dire. Genre, on réapparaît, on récupère les champignons, on refait le tour. Après, je suis pas méga fan aussi de la façon de qu'on doit faire pour soigner. C'est pas... Comment dire c'est pas... Comment expliquer ça? Constant? Ouais. Ah, mais je peux pas changer de carcasse ici. Merde. Parce que sinon on va perdre Thiel en fait. Ah, fait chier. Sip this. On va perdre Thiel. Was left for me. The malady gnaws at the corners of my eyes. Pries the flesh from fingers and toes. It burrows deeper and deeper into my bones with each passing day. Even my own kin look away. Cool. Au moins on a utilisé une partie... partie du goudron et tout. Ok, maintenant ligne droite. Plus 2. Ouais, enfin ligne droite vite fait quoi. Par où on passe? Est-ce qu'on peut faire ligne droite en fait? J'ai pas l'impression. Je crois qu'on est obligé d'avoir passer un téléporteur. Là, ben voilà, là. Attends, y a pas un enchaînement avec l'attaque lourde, parce que... Non, y a pas d'enchaînement, en fait. Y a pas de deuxième enchaînement après l'attaque sautée. C'est pour ça qu'il met du temps à enchaîner. Ok. On y est là, non? Ouais. Yay! Progression.
porte lointaine. Merde. Oh, quelle merde de jouer ici. C'est la merde. Faudrait qu'on arrive à deux crans aussi, ce serait bien. Cool. Bien. On va le tuer aussi. En gros, tu spammes R1 en fait avec cette arme quand t'es avec Thiel. Et ça a l'air de très très bien passer. Mal. Mon Dieu. Ah putain. J'aurais dû foncer pour l'objet, comme ça on était tranquille. Merde. Crah la pute quoi. Une vie. D'être la continuité. On va aller là-bas parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de forge, non? On va avoir des putains d'embuscades, je sens, sur le chemin. Ah, je me demande si c'est pas un piège en fait. Genre le fait que ça soit en montée. Donc du coup on voit pas vraiment qu'il y a un trou. Est-ce que ça on peut l'activer? Non. Et genre les gens du coup en fait ils foncent vers l'objet parce qu'on voit l'objet en fait en contrebas. Depuis le bas. Et après on tombe. Je me demande si c'est pas fait exprès. J'imagine. C'est là on voit pas qu'il y a un trou en fait.
intéressant. De la lecture. Ouais. Alors, nous ne nous rappelons plus de nos noms. Nous sommes une multitude vidée et reversée dans un réceptacle d'apparence humaine, une image réconfortante. Vos yeux refusent d'admettre notre forme infinie, mais ni le temps ni l'espace ne peuvent nous confiner. Ah, ils parlent pas de nous. Genre de ce qu'on est, de notre espèce, dans un sens. Oh mon dieu, comment je monte? Putain, ça marche pas. Après, un truc, si les devs, ils comptent mettre un terrain comme ça avec des cailloux, enfin voilà, des différents niveaux, là, autant aussi souvent, mettez une touche pour sauter en fait. Qu'est-ce que... C'est qui? Ah, c'est toi qui t'es actuel. Je suis en train de me rendre compte que j'aurais pu complètement éviter le tir en fait, en m'endurcissant. Avant. Avant que je me fasse toucher quoi. Me fais pas combattre ici. Voilà, voilà, super. Merci, ok. Ça te fait même pas de dégâts, c'est cool. D'esprit. Des esprits, des guerriers. Je me demande si on devrait pas foncer, récupérer l'objet.
Voilà. Comme ça, on a sécurisé l'objet. Même pas besoin de les combattre. Y a quelque chose de l'autre côté ou pas? Il y a une porte. Faudrait que je me soigne. Ah, on a récupéré une vie, quoi. J'allais dire, s'il te plaît, trouve-moi. Je sais que l'IA, elle a du mal à... à trouver les gens, mais s'il te plaît, quoi. Par contre, on a plus de vie. Prochaine parade Russie remplie, ouais, ça c'est pas intéressant. Dégâts de la prochaine attaque seront augmentés. Ouais, bof. On va prendre ça. C'est tellement grand. Parce qu'il y a un autre endroit encore hein, qu'on n'a pas vu. J'ai pas lock parce que honnêtement, locker dans des endroits comme ça, je... non. Parce que notre personnage va suivre l'ennemi et je préfère y aller à l'aveuglette, enfin sans locker quoi. J'ai là. Oh putain, ça a l'air de... Ça a l'air d'avoir un téléporteur et tout en fait. Une sorte de téléporteur caché. J'ai l'impression. Un objet là-haut. Oh mon dieu. J'ai l'impression que ça se finit jamais quoi. J'ai l'impression que ça se finit jamais, mais sans deck quoi. Où est-ce qu'on doit aller quoi?
J'ai envie d'aller voir déjà le téléporteur là. Je vois pas trop comment. Ah. Cloche dorée. D'accord. T'es pas obligé de m'enlever autant de vie, hein, honnêtement. T'es vraiment pas obligé. Hein. On est où là? Une banale baguette. Attends, si je vais sur les côtés, je peux remonter ou pas? J'ai pas l'impression. Attends, on peut pas... Oh, tu vas me dire que c'est fait exprès en fait. Genre on arrive là, au cercle, et il y a un petit muret, et notre personnage est trop con en fait pour enjamber le muret. Donc du coup on peut pas prendre le coffre. Genre ils ont fait ce système là. Mais le truc le plus frustrant au monde quoi. Ouais. Bah du coup ouais. Je pensais qu'il y avait un chemin mais... Ça, on fait que tourner en rond, quoi. Mmh. Ouais, donc là, je suis... Là, c'est quoi? Là, c'est la mort, là, en fait? Je peux essayer de sauter là-bas, mais... Ah, on est bon. Ah, du coup, on est de retour ici. Ok, ça marche. Un ennemi, ça ? Does my frail mind deceive me? Or am I greeted by the specter of death? Only silent judgment. I see. You're nothing more than an apparition. A figment of my tortured imagination. Begone, then. I need no reminder of my fate. Uh-huh. Come to witness a coward contemplating his end. It's a pathetic sight, isn't it? I nearly went with my brothers once. The sun has been dark in my eyes ever since. In the moments before death, I felt sure I wanted to live. But now, here I sit on the precipice, undecided. Leave me to my thoughts. Will you? T'es sûr? Leave me to my thoughts, will you? Ok. Trop là.
Un objet là. Oh, masque non terni. Je vais être honnête, hein, désolé, hein, mais il y a de l'exploration, il y a de la bonne et de la mauvaise exploration. Là, ça devient ultra relou, honnêtement. Je vois pas la fin en fait. C'est quoi la fin? C'est ça? C'est là où je dois aller? On va prendre le téléporteur, on va voir où ça nous mène déjà. Ok, c'est ce téléporteur là du coup. Donc là non. Là-bas on va voir, parce qu'on sait pas ce qu'il y a. Il me faut de la vie aussi, si j'ai pas de vie. C'est activé. Un coffre. Là, il y a un fantôme. Je vais passer par là. Tu m'as pas lâché, quoi. D'accord. Merde. Arrête de te remettre. Merde, j'ai activé un truc. Oh mon dieu. Le putain de lock qui m'a niqué, quoi. Oh mon dieu de merde de jeu, quoi. Le putain de lock. Allez, ça suffit. I've kept your flesh safe, Foundling. Ah, je sais même comment on remonte. Genre, faut aller tout au tout en face. Ah, oh mon dieu. Oh mon dieu, comment c'est loin. Oh mon dieu, comment c'est loin. Ah mais c'est débile, quoi. Ouais, non, honnêtement, j'ai envie de dire mauvais jeu. Mais pas parce que je suis mort et tout ça, mais c'est pas fun en fait. C'est juste pas fun. Parce que dans les Dark Souls et tout ça, ou même d'autres jeux hein, qui se veulent des Dark Souls, on a toujours un bon sentiment. Pourquoi l'autre il s'active déjà? On a un bon sentiment de progression. Là t'as le sentiment de que dalle en fait. Après là t'as le sentiment de refaire la même chose, mais c'est pas marrant, ben, c'est pas fun. C'est juste pas fun. Là, on va devoir se retaper de la... Encore une fois, la putain de tour. C'est hyper haut. Ouais. Mais c'est pas fun. Hein. Ah, il me faut une pause. Et on recommencera. On continuera plus tard. Ciao, ciao. Donc on est de retour pour plus de Mortal Shell. La dernière fois on a passé un très très bon moment. On a passé une heure et demie à monter une tour pour mourir à cause du lock en fait du personnage sur un ennemi pendant que
un ascenseur en fait était activé. Et du coup on est tombé à cause du lock. C'était vraiment cool, honnêtement j'ai passé un bon moment. J'avais envie de complètement délaître le jeu, mais on est reparti. Donc si jamais ça prend trop de temps en fait pour remonter, je vais être honnête, je vais couper sûrement et on se retrouvera pour il est où l'ennemi? Allô? Ok. On se retrouvera pour genre le de la découverte en fait, ce qu'on n'a pas vu en gros. Mais voilà, on va faire ça parce que sinon ça va prendre trop de temps, ça va être chiant à regarder. Donc voilà. Donc pour l'instant on va le faire normalement, on va voir un peu comment ça se passe. Mais si ça prend trop de temps, ouais, on coupera. Mais ouais. C'est un... Ouais, je sais pas. J'aime pas vraiment cette zone. Oh putain, faut repasser par là et tout, quoi. Y a pas un moyen de... Tout simplement d'aller plus vite, en fait. Genre, y a pas un raccourci. Waouh, ok. En plus, c'est... Ils sont précis en plus, hein. Est-ce qu'on était passé par le centre? En plus, c'est tellement labyrinthesque. En plus, le problème, c'est que c'est labyrinthesque, en fait, en plus, en verticalité, quoi. Donc, c'est le pire. Ok, cool. Cool. Ça fait extrêmement mal. On a un super train à nos trousses. Regardez-moi ça. Ah, bonjour. Ils montent doucement tous. C'est marrant. Je suis sûr qu'on a, on peut sûrement débloquer des raccourcis, mais j'en ai pas trouvé. Ok, d'accord. Ok, à droite il y avait quelqu'un je crois, non? Ah la caméra, place-toi bien. Ah, esprit, ok, qui vient d'apparaître ou... Non, c'est celui-là qui était... Qui avançait, ça va. Alors là on avait récupéré les objets, ça sert à rien de rester très longtemps. C'est vrai que ça aussi, en fait, le fait que la caméra soit pas centrée sur le personnage, je l'ai déjà dit, hein, mais je le répète, parce que là, j'aime bien me répéter quand il y a des trucs qui m'énervent. Du coup, c'est chiant, en fait, pour voir sur les côtés. C'est très très chiant, pour voir ce qu'il y a dans les recoins, en fait. Alors, on peut passer par le centre. Je pense. Il y a un objet là. Je crois qu'on n'était pas... Ouais, on n'était pas passé par là, par le centre. Il y a un truc que j'aime pas trop dans l'attaque à deux déterminations là, de cette épée là, c'est que l'attaque en fait elle pousse l'ennemi, enfin c'est pas qu'elle pousse, c'est que l'ennemi en fait il tombe en arrière surtout. Enfin, il est un peu repoussé aussi donc oui ça pousse mais... Et du coup il est très très loin en fait et on est obligé de s'avancer pour pouvoir le toucher donc on peut pas genre vraiment enchaîner. Bon, j'imagine qu'ici c'était juste pour récupérer des objets. Genre, on peut pas vraiment l'enchaîner, vous voyez ce que je veux dire? Non, il y a ça aussi. Oh. Ok. Putain.
Bouge quand tu veux, hein. Bouge quand tu veux, hein. C'est bien. Waouh, tout ce qu'il y a. Ouais, bah fuck. Du coup, il y a quoi d'autre? On a endurance infinie, faut bien que ça serve, quoi. Qui va nous poursuivre longtemps, mais on va se le faire. T'as touché ton pote? Je crois que t'as touché ton pote. Il nous faut de la vie. Je sais pas si on peut descendre. Est-ce que ça sert à quelque chose de descendre? Je vois pas en fait s'il y a quelque chose en bas. Ok, cool. Waouh, d'accord, elle me visait même pas. Elle me visait même pas. Oh mon dieu. Elle me visait même pas. Honnêtement, j'ai envie de faire une compilation de toutes les merdes du jeu. Là, on en est à la limite où ça vaut une compilation, en fait, une vidéo juste pour les bullshit, comme ça, genre les bugs de jeu. C'est... Ouais, là, on y arrive, en fait. Là, on y arrive vraiment. Et honnêtement, c'est pas vraiment fun. C'est vraiment pas fun. Donc là, on a vu qu'il y avait un téléporteur. On va monter. Je sais plus si on était obligé de le prendre, le téléporteur. C'est comme j'ai dit, c'est labyrinthèse, donc honnêtement, je me rappelle même plus. Bien joué. J'adore quand... Oh mon dieu. Bien joué de louper les tirs. Vraiment bien joué. Honnêtement, là, il faudrait contrer. Tape comment toi? Okay. Ouais. Faut qu'on fasse ça plus souvent parce que du coup on peut s'empoisonner avec le nuage de poison. Ouais, il nous faut ça. Il nous faut absolument ça en fait. Faut qu'on spamme. Ah tiens, c'est où c'est que je suis tombé? La blague, la grosse blague, je peux pas reprendre mes âmes. Comment on appelle le... Ah, peut-être la flamme. Le bruit, le son, honnêtement, du jeu est mal fait. Du coup, ça va être la merde. C'est bon, je les ai eu. J'aime bien quand les jeux font en sorte que... genre les élévateurs, enfin les ascenseurs, quoi,
sont pas safe. Parce qu'on avait vu que le... Genre le ah, merde. La poussière là que j'ai quand je au pied de mes bottes, là, quand je marche. On a vu qu'elle montait en l'air pendant que l'ascenseur descendait. Donc ça, honnêtement, pour moi, ça fait comme si on pouvait mourir à tout moment, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, elle est là, elle. Tiens, c'est bien, ça. Ah, mais là, elle est là, en fait. Ok. Bon, bah, on a trouvé un... Don't worry. Our senses betray us. Ah, mince, j'ai coupé des... Allowing us to believe our surroundings are immutable, even knowable. But nothing is certain within the sanctum of the revered. A curious blessing. My old kin do not shy away from these troubling inconsistencies. Instead, they welcome and embrace them. They worship at the feet of those rapturously twisted and reborn. So, calm yourself and take a sip. Okay. Désolé, j'ai zappé de la parlotte sans vraiment le vouloir. Dans ma tête, elle allait dire la même chose, mais en fait, non. Souvenir de connaissance, endurcissez-vous dans les airs pour créer une zone d'impact dévastatrice à l'atterrissage. Tiel crée un nuage empoisonné si l'ennemi est touché. À la limite, il faudrait que je me force à faire ça. Donc il faut que je saute et que je m'endurcis en fait en l'air. Et, putain, faut vraiment que je m'habitue à faire ça. Parce que là, si ça fait un nuage de poison à chaque fois qu'on le fait... Donc en gros, c'est beaucoup plus comment dire, c'est beaucoup plus facile de faire ça que c'est quoi? Lorsqu'on tue un ennemi, non, en cas de riposte automatique, il libère un nuage de poison. C'est plus facile que de faire ça en fait. Donc ouais, faudrait vraiment que je me force à le faire en fait. I'm unrecognizable. A ghoul. Or perhaps a ghost haunting this empty household. But I'm not unworthy of pity. Not yet, at least. A merchant dared to speak to me. He was a hideous fellow, but a kindred soul, I suppose. He mentioned a colony of sorts where my misfortune would be cured. He did not name its price. Cool, donc on a fini, Tiel. C'est bien. Perhaps it's time to make some new memories. Ah. Ça veut dire quoi? Tu m'expliques? Perhaps it's time to make some new memories. Commercer avec la sœur. Ok. Sœur Genessa. Ah, donc maintenant on peut acheter des choses parce qu'on a monté au maximum une carcasse, c'est ça? Alors, qu'est-ce que tu nous vends? Ah, c'est des lueurs en plus, ok. C'est quoi ça? On sait pas ce que c'est, ça non plus. Ok. D'accord, on peut... Ouais, on peut faire ça, c'est intéressant. Du coup, on pourrait changer de carcasse, mais on va pas le faire. Hein. On va rester Tiel pour le moment. Par contre, il y a un truc que je voudrais faire, ça. Ça, je sais pas ce que c'est. On en a qu'un seul, on va le garder. Si vous êtes frappé en étant en forme endurcie, les dégâts de la prochaine attaque seront augmentés. Ouais. Je regarde en fait ce qu'on pourrait utiliser, qui pourrait nous aider. Enfin, ouais, qu'on pourrait... Je sais pas, ouais, utiliser quoi. Prochaine parade, empoisonne l'ennemi en cas de réussite. Ouais, ça c'est pas utile parce qu'on empoisonne. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça non plus. Ouais, après on en a en peu de quantité en fait. Si vous êtes touché alors que vous êtes en forme endurcie, vous gagnerez un bonus de réduction sur les prochains dégâts subis. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est vraiment pas mal. Bon, sinon, attaque sautée endurcie là. Non, non, pas comme ça. Putain, faut que je... je vais jamais y arriver. Comme ça. Normalement, c'est ça. Normalement, c'est ça. Donc, on va voir. On va s'entraîner un peu.
Parce qu'il y a un truc aussi, on peut sprinter avec le L3, donc le joystick. Et c'est vrai que c'est plus pratique que de maintenir B en fait, c'est plus réactif. Waouh, ok, cool. Donc ça a pas fait de... Ça a pas fait de... Non. C'est bien ça, on est d'accord, faut que je relise. Ou alors c'est une attaque tombée, genre. Vous voyez ce que je veux dire? Genre j'ai peut-être mal lu. Ah putain, c'est vrai que c'est pas ces touches là. Mon dieu, ce menu il est nul, il est vraiment nul. Non. Endurcissez-vous dans les airs pour créer une zone d'impact dévastatrice à l'atterrissage. Tiel, crée un nuage empoisonné si un ennemi est touché. Bah ouais, enfin quand t'es dans les airs, ouais. Pour moi, c'est ce que je viens de faire. Perhaps it's time to make some new... Pour moi, c'est ce que je viens de... Pour moi, c'est les attaques sautées, quoi. Ou à moins tu veux dire, genre quand tu tombes de haut. Ah non, là j'ai pas fait un nuage, là c'est juste lui que j'ai empoisonné. Parce que s'il fait un nuage, du coup on s'empoisonnerait en fait. Automatiquement, donc on le verrait. Donc je sais pas, là je suis... Alors peut-être il faut genre rester complètement tout le long. Ah mais non, mais après... ouais, enfin c'est... Je sais pas. Ouais, je vais être honnête, je sais pas du tout. Faudrait tester en hauteur, du coup. L'attaque en tombe, en fait, l'attaque plongeante. On peut renvoyer le truc, quoi. On peut faire ça, non? Ouais. Enfin, après, peut-être qu'on l'a débloqué, on n'a pas besoin de le renvoyer. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un coffre ici. Grand carreau, cloche de bronze. Ah, les cloches de bronze, c'est bien pour farmer. Mais bon, on va peut-être pas farmer ici. Faut qu'on aille taper quelqu'un. J'ai été con. J'ai voulu, mais...
j'arrive pas à prendre. Bon. J'ai voulu contrer, mais c'est un peu débile ce que je... Genre le là par exemple, peut-être que ça marche. Je sais pas. Ça me paraîtrait un peu simple après hein, de pouvoir faire une attaque sautée comme ça tout le temps et de faire un nuage de poison. Ça serait peut-être un peu abusé, mais bon quand même c'est la truc elle coûte cher donc à la limite pourquoi pas quoi. J'ai envie de dire. Pourquoi pas devenir OP quand même à un moment. On va aller sur les côtés, il y a des arbalétriers. J'aimais bien, je crois qu'il y a... Enfin, il y a des années, genre, pour Dark Souls 1. Quand il y avait des arbalétriers, je disais des arbalétiers. C'est faux, hein, de dire ça. Il y avait une personne qui s'était grave énervée dans les commentaires. Les gens s'énervent pour un rien, quoi. Genre t'as pas besoin de t'énerver, t'as juste à me dire que j'ai fait une erreur, hein. Pas besoin de péter un câble. Y a une... C'est inconsistant des fois, les ennemis se font stun, des fois non. Très très inconsistant. Ça va être trop doux. On va les combattre ici parce que sinon. Ils arrivent. Oh les dégâts quoi. Genre là. Qu'est-ce que je fais, saute? Ouh, ça remet tout le... Ah non, faudrait qu'il se replace là, en fait. Ah, j'ai voulu la jouer... La jouer safe, j'ai voulu me soigner plutôt que d'attaquer. Mais on aurait pu tester l'attaque tombée là. J'ai entendu un truc derrière moi. Ah ça va, c'est que ça. Merde. Pourquoi tu cibles les mecs derrière toi? Tu veux pas cibler les choses devant toi? D'accord, bien joué. Faudrait la bloquer, elle. Yes. C'est quand on tue qu'on fait un nuage de poison? Je me rappelle plus. Ou alors c'est quand on riposte. Tout simplement. Merde. Chaque fois.
qu'il tue un ennemi. Non. Cas de riposte automatique, tu libères parfois un nuage. Non, c'est juste à riposter. Et parfois, on a un nuage. Ah, c'est bien ça aussi d'apparaître. Je pense qu'on peut sprinter vers elle en fait. Ouais, d'accord, bah non. J'imagine que si je me mets en dessous, ça va me toucher. Sûrement des objets en bas. Ou alors c'est le chemin. Ah non, il y a un objet. Acide de trempe, ça c'est bien ça. C'est quoi, c'est... un secret ou c'est un cul-de-sac? Un cul-de-sac. On a 4400 encore. C'est vrai qu'on a tellement d'ennemis à tuer, en fait, on aurait pu utiliser la chose là qui augmente. On a pris le bon chemin encore. La chose qui augmente le goudron qu'on récupère. What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, je crois qu'il a bugué sur ça en fait, ça l'a fait sauter extrêmement haut. Ça m'étonnerait que dans ce jeu, il y a un appui... sur les murs, hein. M'étonnerait quand même. Ouais. C'est pas Sekiro. Mon dieu, le jeu quoi. On peut faire ça. Ok. Hop là. Dire que si jamais on meurt, après on va complètement zapper tous les ennemis. On va tracer. Parce que ça, c'est trop long. Donc ça serait bien de trouver un endroit où on peut se reposer. Je pense que là on le mérite hein, quand même. Peut-être qu'il y a un passage sur la gauche. Non. Genre si on tombe là... Ouais, non, c'est trop... C'est trop le bordel, ça m'étonnerait. Alors, on va voir si on peut pas se buffer vite fait. Avec quelque chose. Thank you.
Voilà. Ça nous permet de récupérer pas mal de vie aussi, le fait de genre de régénérer quand on se fait taper, quand on est endurci. Archive changeante. À chaque sacrement, nos doutes s'intensifient. Mes frères, refusez le confort de la condamnation. Gardez vos yeux clos face à la séduction de la raison. Nos dieux inscrutables ne peuvent être compris, nous nous connaissons à peine nous-mêmes. Dites-moi, quel fou pourrait se croire capable de comprendre les adorer. Donc, il y avait un objet à gauche. Une araignée grimpe prudemment le long d'un brin d'herbe mouillé. Le tourment de la transition éclaire de nouvelles perspectives à ceux qui sont ouverts. Un dard perce la chair d'un gardien mal aimé. Un tube gonfle et se dégonfle. Une sérénité qui n'apporte avec elle rien d'autre que l'espoir de prévenir toute douleur à venir. Ok, un téléporteur ici. Alors attends, on va le prendre. Transfert fétide. Ah, c'est pour notre arme, marteau et burin. Faut que j'apprenne aussi à faire la deuxième attaque là. Ah, je dois bien trouver pour l'épée qu'on a là. La deuxième attaque. Enfin, oui, comme j'ai dit, il faut aussi que j'apprenne à la faire. Hein. Faut que je regarde comment on fait. J'ai du mal lire en fait. Oh là là. Waouh, ça a l'air fun en face. Ah, oh, encore de la lecture. Des os qui nichent dans le crâne désagrégé d'un enfant, deux rangées de dents fusionnées en une. Des formes insaisissables dansent sans fin dans la rétine. Un parasite à carapace dure mange la graine d'une rose et la remplace. Une douleur insoutenable charrie ce qui sombre dans les ténèbres. Des bols de porcelaine souillés par le sang et la bile. Un verre divisé devient une chose nouvelle. Je ne comprends rien du tout. Et pour l'instant, on ne comprend pas grand chose. L'histoire. Putain, dis-moi qu'elle est là, l'autre, là, quelque part. Dis-moi qu'elle est quelque part. Parce que je l'avais loupé là. Au pied de la tour, donc peut-être que là. Je crois que c'était elle. Ah ! Yes ! En plus, elle est géante cette fois. Once I was in awe of the knowledge contained here. But it was a fool's errand to try to catalog the contents of this library. The devout keep searching, endlessly hunting for a revelation, even as they're surrounded by madness. Keep your eyes ahead, foundling. Do not stray among the teetering stacks. You'll only delay the inevitable. Okay. Ok, madame. Non, on va devoir refaire un combat. J'aimerais bien changer de carcasse pour utiliser mon goudron, en fait. Pour être honnête. Parce que là, on a pas mal de goudron, en plus. Parce que si on change de carcasse, on est bon.
Le goudron, c'est pour tout le monde, mais les lueurs, par contre, c'est par carcasse. C'est bien ça. Hein. Ah oui, mais du coup, il faudrait de la lueur aussi. On a de la lueur? Ouais, on a de la lueur. Genre Solomon, est-ce qu'on peut l'augmenter? Je sais pas ce que c'est, Solomon. Vas-y, on va voir si j'ai raison. Ouais, là, on repasse à 20 et on a 4900. Ouais, non, c'est bon. This place is team. C'est parfait. C'est parfait. Toute la dernière, on tue un ennemi avec une riposte automatique. Option 25% de sang. Ouais, ça. Parce que là, on va combattre une glande, là. I stood before you, dear brother, watching in horror as your lips parted for that poisoned chalice. I followed a path once trod by those who would become sisters and brothers, watching the past and present converge. You did not know I was there. I looked on from another place, waiting to be born. Cool. Après, on a durée pendant laquelle les ennemis sont endurcis quand vous êtes séparés. Le Solomon est augmenté. Bof, non. Solomon obtient une petite quantité de détermination sur ce qui est frappé sous forme endurcie. Ça peut être bien. Ça peut être bien. This place is deep. Ça nous permet de récupérer pas mal de détermination. It's gibberish. Familiar signs and symbols etched by a human hand in my own tongue. Yet they're arranged without any discernible logic. The letters spiral in concentric circles, interspersed with figures that resemble mathematical formulae. It means nothing. I'm certain. But I can't look away. Bien, bien, bien. Après ça, la durée pendant laquelle... Ouais, ça, c'est... je sais pas trop. Après, on a le coup de pied qui peut être bien. On a ça qui pourrait vraiment être cool. Il faudrait 20 ou 25, enfin, c'est beaucoup de... On va voir un peu... Goudron, lueur... Ok. Je crois que là, les lueurs, on en a... On en a pas mal. Voilà. On va prendre ça. I know you are awaiting my assailant. I have read how you will descend upon me. I will be too slow to stop you, though I will try. Just know that I do not blame you. I cannot hold on to this body when another will need it far more. We are a single existence, split only by the tides of time. Joined together in death. Cool. Il nous faudrait 3000. On n'aura pas assez. C'est pas grave, on va quand même utiliser nos lueurs. Alors on pourrait prendre ça ou alors le coup de pied. L'un ou l'autre. Durée pendant laquelle les ennemis sont endurcis quand vous êtes séparés. Ça veut rien dire en fait, est augmenté. Genre la durée pendant laquelle les ennemis sont endurcis quand vous êtes séparés. Genre les ennemis s'endurcissent quand on est séparés. Genre quand le temps il s'arrête en gros, quand on est projeté, c'est ça. Je sais pas. Ouais, on va prendre le coup de pied. Vision is a burden. My dear brother,
I do not blame you for leaving this empire of sycophants and charlatans behind. I fear our knowledge is only a privilege afforded by our silence. Each discovery only provides our masters with more chains. Ok. Bon ben voilà. Et c'est parti. Donc on va faire comme d'hab, on va... Je vais peut-être même changer les objets parce qu'on n'a pas beaucoup... On n'a qu'un seul truc. Enfin les objets, ouais, on a vraiment rien en fait. Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de jouer genre sans... sans utiliser de... d'objets pour la première fois, puis on va voir en fait. Oh wow, ok. Tu vas me dire que je viens de perdre la moitié de ma vie déjà? J'aurais du coup à m'endurcir. T'es stylé toi. Je peux pas avoir un bouclier moi. Ah. Ouais, enfin t'es pas trop stylé en fait. Ok. What? Ah il me tire dessus ce con. J'avais dit que je voulais pas utiliser d'objet. Très bien. Ouais, genre là ils sont en pierre en fait, d'accord. Oh putain. T'es sérieux? Tu sais que j'ai pas assez d'endurance en fait hein, pour ça. Je vais essayer de le bloquer. Ouais, bien joué. Ouais, ok, bien joué. Bon, il a pas l'air très difficile, mais je crois qu'on a besoin de Thiel, honnêtement. Je dirais qu'on a besoin de Thiel pour être beaucoup plus habile, parce que là, il peut tirer de loin et tout. Genre, s'il commence à tirer de loin, on est dans la merde. On est tout simplement dans la merde. On va retenter. Je vais voir si je m'endurcis, si ça bloque les dégâts là quand on tombe. Putain, toujours la même cinématique quoi. Non, on peut pas la passer celle-là en plus. D'accord, pas du tout. Donc en fait, on est vraiment obligé de... Ah oui, voilà, je récupère ma vie en fait. Waouh, trop bien la mécanique. Trop bien. Aïe aïe aïe. Ah merde. Putain, mais même sur eux. Voilà. Genre, se déplacer sur le côté, ça marche pas quoi. Il y a un tracking de débile quoi. Ok, pas mal.
Oh merde. Ah putain. Bon, on fait comme ça. Ah putain, il recommence. C'est bien, hein. Agile. C'est pas mal. Phase 2, j'imagine. Oh, on a tué son frère. Mon dieu, la caméra comme ça, c'est horrible. Oh, c'est dégueulasse. Okay. Oh, d'accord. Ah, super. Bien joué. Oh la vache. J'arrive pas à bloquer. Enfin, il tape très vite en fait. C'est un autre timing. Bon, je pense qu'on peut le faire avec Solomon en fait. Ça va. Je pense qu'on peut maintenant. Solomon, il est bien augmenté. Yeah.
Aïe, aïe. Waouh, trop bien. Ah, sort là l'attaque. Pouh. On l'a eu. Bon, ça m'a pas pris trop de fois, je vais être honnête. Ça m'a pris 3-4 fois. 4 fois peut-être. C'est la quatrième fois. J'ai peut-être coupé genre... Ouais, j'ai dû couper 2 fois. Honnêtement, il y a eu quand même pas mal de bullshit. Oh mon dieu, c'est quoi ce truc? Ok. On a eu énormément de bullshit. On a eu la riposte qui touche pas, qui connecte pas en fait. Et vu qu'elle est automatique et tout ça, du coup on peut pas se mettre à l'abri ou quoi que ce soit. Le personnage en fait va faire l'animation, mais elle va pas connecter. Alors honnêtement, je vois pas pourquoi, parce qu'il y a pas de différence de niveau, hein, c'est tout plat. On a eu ça, on a eu quoi d'autre encore? On a eu quelques trucs comme ça en fait. Pas énormément, pas autant que l'autre, que le premier boss, mais ouais. Un peu relou quoi. Et là... il me pousse? Non. Et là Solomon, ça se passe mieux. Honnêtement, ça se passe mieux avec Solomon, ça va. Glande tressée. Maintenant, on a quoi avec la glande? C'est pour ça que je voulais prendre Solomon, en fait. Parce que Solomon, il a un buff. Je crois que c'est plus de vie, c'est ça? Masque cancéreux de tissu. Ouais. Plus de vie ou plus de... Ouais, il a plus de vie et moins et un cran moins de détermination. On va regarder ça. Pour être sûr. Ouais, c'est pour ça que je voulais Solomon. ...25% de santé supplémentaire en portant une glande sacrée et un segment de détermination en max en n'en portant pas de glande. Voilà, donc c'est l'un ou l'autre, donc c'est bien. Par contre, il y a ça. Solomon a une chance de se soigner lorsqu'il utilise une capacité d'arme pour tuer un ennemi. Ah oui, non, c'est pour tuer un ennemi, d'accord, c'est pour ça. Je pensais que c'était sur le coup, en fait. Bon, ça va, ça a du sens. C'est toute la détermination. Ça serait bien. Faut qu'on le débloque, ça. C'est 3000. Et ça a l'air d'être super puissant. Si on arrive à... Genre on... Attends, c'est quoi déjà? Putain, j'ai déjà oublié. Quoi. Je viens de le lire, j'ai déjà oublié. Restaurer toute la dernière en tuant un ennemi avec une riposte. Ah, c'est une riposte automatique. Ouais. Ouais, c'est pas... Ça va pas sortir aussi souvent que ça, en fait. Mais bon... Pas si mal. Yes, you've done it. The sacred gland is yours. Perhaps it was always yours.
If you manage to extract the true nectar, be wary. Sip slowly. I remember a heretic who drank deeply. He took what wasn't his and gulped it down greedily. He was unrecognizable afterward. Another man entirely. This was his reward and his penance. Sympa la petite histoire. Il y a le coup de pied, toujours pas à tester. Donc on va tester ça. On a que 600, il faut 3000. Ouais, on n'aura jamais assez. On n'aura jamais assez. On a que ça, je sais pas combien ça donne. Quantité innombrable de goudron si consommé. Ok, j'ai rien dit, ça marche. Ça va. The faces of infinity are etched in stone, stacked in endless columns. Careful now. The precarious weight of such knowledge could crush an unwise man if he were to pluck a tablet in haste. Cool. Non, il nous reste ça. Accumulation de domination durée pendant lesquelles... Ouais, ça aussi. Ah oui, et sinon, l'attaque sautée, en fait, quand je tombais là, j'ai vu ce que c'était. Du coup, c'est quand il faut faire R1 et pas R2. Et c'est quand on tombe. Donc ouais, c'est pas vraiment un truc qu'on fera souvent. On est bon, on va partir. Ouais, on est bon. On est bon, je vais juste regarder les objets, si on n'a pas truc mieux à mettre. Parce que là... On est d'accord, du coup, ces champignons servent un peu à rien, en fait. Acheter des dégâts de poison, soit ça souvent. Ceux qui sont familiers sont immunisés contre les dégâts. Ouais, non, ça immunise contre les dégâts de poison, quoi. Les sujets sont convertis en santé. Et en fait, il faudrait des jetons mortels. Genre un foison. Ça, ça fait quoi? Prochaine parade, octroie de la santé en cas de réussite. Prochaine parade aussi, remplie à jeu de détermination. J'ai envie d'utiliser ça. Voilà. Parce que je pense que bah du coup on va se retaper plus ou moins tout le long des monstres et c'est possible qu'on ait un bon apport de goudron en fait. Il y en a un qui m'a vu apparemment. Voilà. Aussi pendant le combat j'ai... Ah tiens, un téléporteur là. Chaque sacrement... Ouais mais j'ai pas le temps de lire. J'ai appris, enfin pas appris, on va dire que j'ai bien maîtrisé l'endurance de Solomon en combat. Genre contre le boss, donc ça allait, honnêtement ça se passait bien. Bon. Honnêtement, ça reste toujours la merde. Mais... Waouh, d'accord, ok, elle était pas morte, c'est bien. Ok, d'accord, suffit de toi, c'est bien. Il y a un truc con aussi, c'est que c'est mieux de pas loquer l'ennemi pour pouvoir avancer. Je suis là. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. Ah mais ce jeu quoi. Tu vas pas me dire que c'est normal ce qui vient de se passer là, le suicide des monstres. On va pas me dire que c'est normal ça. C'est vrai que je me soigne. Super.
Oh là là. C'est bien, on s'est vachement bien soigné là. Je pense qu'on s'est bien soigné. Ah oui, et il y avait ça pendant le combat aussi. J'ai eu cette attaque qui avait... Oh ! Quelle merde ce jeu. J'ai eu cette attaque qui a loupé deux fois pendant le combat du boss. Genre, en fait l'ennemi, le boss il était trop près de moi. Et du coup mon perso il a tourné autour de lui. Enfin autour de lui-même, enfin sur place quoi. Et il a loupé le boss. C'était vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Sip this and you'll see very well. Tu lui parles pour avoir une détermination. Bon, bah c'est bien. On a déjà tout perdu. Perdu les buffs et tout. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Tout ça parce qu'on peut pas. Parce qu'on peut pas cancel les animations. Il était dans son élan, quoi. Donc, ouais. Vous allez vous suicider ou pas, hein? Elle, on va tuer elle en premier. L'autre elle s'est suicidée, c'est bien. La rouge. Lui il va sûrement se suicider aussi. Vraiment bien. Vraiment bien. Je suis désolé, mais moi, on me montre ça, on peut pas me dire que c'est un bon jeu. Désolé, hein. Mais non, c'est un jeu... C'est médiocre, en fait. C'est pas mauvais. Et encore, je suis gentil, c'est pas mauvais. Mais c'est médiocre, c'est très très moyen. C'est vraiment passable, en fait. Genre, l'IA qui se suicide, non. Ou alors, à moins qu'il y ait une explication, mais pourquoi celui-là d'avant, il se suicide, et celui-là de devant, il se suicide pas. Donc pour moi c'est un bug quoi. Merde. Ah mon dieu. Oh là là, j'arrive pas. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Ça c'est l'endurance, ça c'est. On a géré l'endurance. Oh non, tu vas pas nous faire ça. Oh, il s'est fait défoncer par... Ok, nous aussi on s'est fait défoncer, c'est bien. Quoi ? Mais j'avais pas pris... Oh putain, la zone, la hitbox pour accepter, elle est pourrie. Parce que là j'ai touché mon corps en faisant A, pour le récupérer. Et apparemment ça l'a pas compté. J'étais toujours en éthéré là, ou je sais pas quoi. Mon dieu. J'étais dessus, hein. J'étais dessus. Hein. Par contre, je sais même pas si j'ai récupéré les âmes qui étaient au sol. Enfin, le goût. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est que des trucs comme ça, en fait. C'est méga exaspérant. C'est même pas le jeu qui est difficile ou quoi que ce soit. C'est juste méga exaspérant d'avoir des merdes. Parce que comme j'ai dit, vu que le... D'accord, ça me fait tomber quand même. Vu que le jeu est difficile, quand tu veux, tu te relèves. Allez, putain, mais réagis, bordel. Vu que le jeu est difficile, du coup, chaque petit problème, en fait, c'est amplifié fois 5000, quoi. Ah là 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 là.
L'autre s'est suicidé, qui était derrière moi. Non, putain, mais... Cible celle-là, elle était devant toi, quoi. On va le passer cet endroit ou quoi? S'il y avait un moyen de pouvoir avoir plus d'endurance. Je l'ai pas tué. Fais chier, j'aurais pu... Je sais quoi quand? Récupérer de la vie? Oh merde. D'accord, suicide, vas-y. Ça a zéro sens. Ça a zéro sens de pourquoi il se suicide. Un truc qui serait bien, ça serait récupérer de l'endurance quand on... Oh putain, d'accord, toi qui apparaît là. Quand on se fait toucher, quand on est endurci en fait pour Solomon. Après peut-être que le guerrier de base est mieux, hein. Plus intéressant hein, pour nous. Faudrait que je... Tiens, ça me permet de regarder. Genre les habilités, je me rappelle plus vraiment moi, de lui. Lui il est équilibré partout. Temps de récupération de la forme endurcie est réduit, donc on peut le faire plus souvent. Pendant une courte période après l'endurcissement, les ennemis tués ont une chance de donner une lueur. Ah oui, lui, c'est vrai que ça drop des lueurs, en fait. L'endurance d'Aro se remplit plus rapidement en forme endurcie. Ça, c'est bien. Tuer deux ennemis rapidement, réinitier le temps de récupération de la forme endurcie. Ouais. Augmente les chances qu'un ennemi donne une lueur supplémentaire en étant tué. Ouais, bon. En fait, ouais, c'est pas très beau. C'est très intéressant, lui. Il est mort l'autre? Ouais, il est mort, il s'est suicidé. C'est bien. Il veut pas te suicider comme ton pote. Non. Cool.
On se régène ou pas? On va le faire. Pas double. J'ai envie aussi de sortir la grande épée, mais bon, honnêtement, celle-là elle est quand même vraiment pratique. Je rêve où il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 archers. Une blague? C'est une blague, sérieux? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ça fait quoi déjà le saut celui-là? Faudrait qu'on utilise ça, la grenouille. Augmente la vitesse de régénération de lance pendant 3 minutes. Dure 5 minutes pour ceux qui sont familiarisés avec. Ah, cool. Allez! Non! Ouais, ouais. J'ai vu mais ma vie partir. Ouais, non, c'est teubé, quoi. C'est teubé. Après, je voulais... timer comme ça, là. Comme ça, ça m'endurcit quand j'esquive. Mais non. Je voudrais bien les tuer parce que je voudrais aller parler à lui. Je pense que cette épée, en fait, elle peut être vraiment pas mal. La grande, là, pour faire tomber. Ça peut aider. I'm graced by the presence of a scholar. Welcome, brother. If you're here to talk me off this ledge, save your breath. For my ears no longer know wisdom from malice. I'm afflicted with a ravenous obsession, not unlike your thirst for knowledge, but I keep finding that the truth is, it matters little what I decide. Okay. Leave me to my thoughts, will you? Leave me to my thoughts, will you? Oh, ouais. Donc en fait, faudrait se stacker quand on combat en tant que Solomon, ou même le premier guerrier là. Faudrait se stacker sur la grenouille bouillie pour la régénération d'endurance. Faudrait aller voir le marchand en fait.
Man, c'est toujours ça à chaque fois que je le fais. Ouais, bien. Ouais, faut qu'on soit... Avec rien. Ouais, faut qu'on soigne, mais avec rien, on a rien. Parade. Ouais, non, je sais pas. Comment on fait la deuxième attaque là? Putain, ça me rend fou aussi ça. Non, parce que là, ce coup, c'est les enveloppes. Ah mon dieu. Pardon. Genre, y a pas écrit. Ombre, aucune. Saut dernier, aptitude d'arme. Alors, tenez assez de détermination pour activer la puissance capacité. Ah oui, c'est ça, LTRT. LB, LT, ok. Donc c'est bien ça. C'est, en gros, c'est R1, L1 et R2, L2. L'autre, je sais pas où elle est passée. Elle est là, apparemment. Le premier coup ça marche, le deuxième ça marche pas évidemment. Enfin genre je m'en serais douté parce que c'est comme ça que le jeu fonctionne. Pour zéro raison. Genre le premier va faire tomber puis après en gros ils ont une immunité au stun j'imagine. Oh putain, on va tous retaper quoi. I've kept your flesh safe, darling. Oi, qu'est-ce qu'on est loin.